Ça vous tente un film avec un Pikachu détective amnésique joué par Deadpool? Bref, voici mon avis sur Pokémon Détective Pikachu, sans spoiler. Tout se passe à Raimi City où Tim va apprendre que son père a disparu après un accident. Il va donc rencontrer un Pikachu détective, partenaire d'Harry, et qu'il est le seul à entendre parler. Dit comme ça, on pouvait s'attendre à une comédie à la Alvin et Chipmunks, mais au final, pas du tout. J'ai beaucoup aimé ce film. Les personnages et l'univers ont très bien été retranscrits, et les Pokémon, eux, ont des bonnes idées d'utilisation. Par exemple, à un moment, on voit des Rangoon faire de la musique électro. Pour ce qui est de Pikachu, il est très bien retranscrit en live, un gros cœur recouvert de poils. Il y a des bonnes scènes d'humour, il y a du suspense et des très bons visuels. Bon, par contre, il y a certains designs de Pokémon où j'ai eu du mal, comme Snubbull ou Capuma. Après, le film est bon, mais il risque pas de plaire à tout le monde. Et il risque surtout de plaire seulement aux fans de la licence. Sinon, je ne dis pas que c'est une révolution, je le trouve simplement bon. Mais le film ne m'a pas marqué autant. Ça reste un film assez cool à voir entre potes. Voilà, c'est tout pour mon avis sur Pokémon Détective Pikachu et on se revoit bientôt. Salut!